victime. J'ai compris que c'était terminé, mais je me demande si c'est pas un cauchemar en fait. Et on réalise pas, on se demande pourquoi en fait. Pourquoi lui? Pourquoi il n'était pas à l'avant ou à l'arrière du bus? On ressent pas directement la haine ou la tristesse. Le plus agaçant, c'est de pas savoir comment ça s'est passé et d'attendre encore qui sont les coupables. T'en as parlé avec ta maman, ta famille? On parle que de ça hein, depuis l'accident. On parle, on se remémore les souvenirs, on pleure. C'est tout ce qu'on peut faire. Un témoignage au micro européen de Mélanie Nunes.